corps du combat et le caporal de corps, le premier caporal chef, Marcel Malac, se mettent en place. Allez, t'en vas.
En place. Notre cérémonie traditionnelle de Saint-Jacques et de Saint-Éloi revêt aujourd'hui un caractère tout particulier. Nous prendrons en effet congé ici quelques instants de notre adjudant de corps, l'adjudant-major Luc Croart. J'aurai plus tard, dans ma matinée, l'occasion de revenir sur la carrière de l'adjudant-major Croart. Mais je ne peux ni ne veux le laisser partir sans souligner devant tous trois de ses qualités marquantes. La première de ses qualités est sans aucun doute son attachement au maintien des traditions. Comme ancien artilleur à cheval, et ensuite servi au sein de l'armée blindée, Luc Croart est viscéralement attaché à la tradition militaire. Quand on fait les choses, autant les faire bien, en respectant toutes les valeurs qui nous caractérisent. Ponctualité, tenue, ordre, voilà ce qui fait un bon RSM. Deuxième point, la disponibilité. Luc Croart a été adjudant de corps en même temps que chef du service d'inspection de l'armement, ce qui est loin d'être évident. Le nombre de missions à l'étranger qu'il a coordonnées, en plus des tâches routinières du service d'inspection de l'armement lourd, est impressionnant. Il a combiné deux jobs sans compter ses heures, veillant à respecter ses engagements dans les deux facettes de sa vie professionnelle. Et je trouve qu'il a brillamment réussi son défi. La troisième de ses qualités que je voudrais souligner ici est son goût du travail bien fait. Satisfaire le client, tenir ses promesses, voilà deux principes qu'il manie depuis longtemps et qui pourraient, comme sa disponibilité et son sens aigu des traditions, nous servir d'exemple à tous. Au nom de tous les membres du CCRA, je tiens à le remercier publiquement pour son engagement au profit de notre communauté militaire et civile. Il peut partir avec la certitude d'avoir accompli sa mission de son mieux et de laisser derrière lui, peut-être pas une unité parfaite, mais une unité où il fait bon vivre, notamment grâce à l'effort qu'il a fourni jour après jour. En quelques minutes, je vais vous présenter le nouvel adjudant de corps du CCRA, l'adjudant-major Alain Condamy. Le hasard veut que je le connaisse depuis presque 20 ans. Il est mis en place à temps plein, à ma demande. Je sais que je peux compter sur lui pour assumer ses fonctions avec enthousiasme, j'en suis absolument certain. Je vous demande à toutes et à tous de lui réserver un chaleureux accueil lorsqu'il fera prochainement ses premiers pas en tant qu'adjudant de corps. Thank you.
décoration militaire de première classe au premier sergent-major Powers Laurent. La décoration militaire de deuxième classe au premier sergent l'abbé Dorothée. La médaille du mérite au premier caporal-chef Éric André. Le 14 mars 2012, lors de son service de garde, le premier caporal-chef Éric André, faisant preuve d'un courage et d'un sang-froid hors du commun, a posé un acte de bravoure pour lequel la Défense lui exprime sa reconnaissance. Officiers, sous-officiers, volontaires de carrière, membres du personnel civil du CCRA, je vous présente l'adjudant-major Alain Conradi, ici présent. Il exercera la fonction d'adjudant de corps de notre unité dorénavant. Reposez! En place! Garde! Portée! Présent!
Halte ! Étendard, en avant. Musique, à l'étendard. En place.